ici-bas. Familier avec l'amour, transmis par un entourage fondamentalement magnanime, adorant les êtres à l'identité authentique et noble, les flammes génétiques, les yeux dans les yeux, rien ne sert de forcer. Il suffit de cueillir les humours vagabonds. Assis sur un banc, entouré d'arbres vivants émanant des vibrations, à l'ombre de l'un d'entre eux, un vent léger nous cueille. Un endroit paisible au milieu de la ville. Un endroit pour écrire. Le feuillage s'agite tel un éventail qui amplifie la fraîcheur ressentie. Il est facile de transmettre lorsque la nature enseigne sa force sereinement. Facile de lier l'amitié et la fraternité dans les bastions des sens traditionnels. La famille magique s'élève au-dessus de l'instant pour viser l'éternité de la tendresse. La famille magique est l'espérance d'un partage de connexion de toute la nature. Sœurs et frères d'humanité savent alors se rassembler dans le respect de chacun selon leur pays d'origine. Sans chercher à effacer les particularités, les différences, bien au contraire, être capable de se rejoindre sur des visions communes de société, saines et pérennes, en l'élévation de l'être, en l'élévation des connaissances, en la reconnaissance des dysfonctionnements, et permettre ensemble d'avancer vers un seul but commun, celui de pouvoir s'expandre et se réaliser pleinement. L'esprit ne naît que du cœur qui fait effort de donation. L'esprit ne naît que d'un champ dont l'émotion lie à vie nos moments passés. L'esprit n'aspire qu'aux sécurités supérieures des allégresses partagées. L'esprit en soi traverse une donnée de fidélité à la terre-mère par l'enracinement. Au pied des pierres de Notre-Dame, les oiseaux chantent l'espoir d'un monde nouveau, pouvant transcender les souffrances liées aux égaux des humains. Soudain, le carillon sonne et rappelle la présence au lieu ici-bas. Les sirènes au loin rappellent l'existence d'une vie moderne, si éloignée d'une vie rurale des campagnes. Et pourtant, une sensation de paix est perceptible face à la montagne, toute reverdie avant le feu de l'été. Unis au sang de la terre, unis aux envies de se retrouver comme individus intemporels, de millénaires de formes fonctionnelles, unis pour renverser des cycles et repartir du centre du rayon. Du rayon naît la force centripète, la force créatrice pour répandre le meilleur de l'humain, conscient de lui-même, de sa part démoniaque et de son autre côté. Cet autre côté à l'écoute de son âme, capable de guider son esprit directeur, au plus près de ce pourquoi l'individu est venu faire ici-bas.